Toujours proche de sa base et soucieux du bien-être de la population congolaise, François Ndeke, candidat aux législatives nationales, à la circonscription électorale du Moamba et provinciale à la commune d'Engaba, est allé inspecter ce mercredi 19 septembre 2018 les travaux par lui lancés de la construction, notamment du pont situé sur l'avenue Tchangala, qui doit désormais relier la commune d'Elemba et celle d'Engaba, mais également les ponts de l'avenue Fidami, qui sont construits dans l'objectif de faciliter la traversée des habitants du coin. C'est Peli, ça me vraiment pas mal. Pour eux, mais les mondains, ils vont sauter dans mon appart, mais le quoi sali, ça me pas mal. Vraiment, mon élo a pas ça. Honorable à celle Bissot, tout ce que l'on est honorable à celle Bissot, toi n'es que souffrir que toi ma casse. Pour okuna et boucha, maïno se va n'est que cota na veni na bisobo. Les lois locaux ont assez les bisous na veni et ça déjà bijou pour na bisou. Donc, koto to comme diana sécurité, moi y a bien. Attends, les bêtes na des graines into ebike, maïe koleka facilement pour kende. Après l'inspection de pont cap vers son ancienne école Enfant Jésus, ici cet homme de bienfaisance, François Ndeke, a remis les fournitures scolaires aux élèves. Question de témoigner sa reconnaissance de la formation bénéficiée dans cet établissement. Journal et l'eau et à l'eau là. Bon, pour n'y avoir activité de routine, hein? Donc ça veut dire ça, ma cambo na sala katango nyonso. Les lots, premièrement, na qui qu'on visitait moi, bah chantier, ça déjà. Opérationnel total et commun à étape nini bon moni moi quelques ponts autres à Kosala et deuxième objectif c'est à la qui naïe kota la école langaï ou et commissanga ou nganazali na outi na école wana vraiment et ça passe mais n'angolo en zambé tozo bunda naïe qui encourager bana. Na moi objet classique pour ba me kempe kotanga lobi ba comme appelle ko la biso. Voilà un peu les deux objectifs ya journal. Le bien-être de la population congolaise reste donc le cheval de bataille de la politique sociale d'Ndeke François.